Hey, Tommy. Mais qu'est-ce que... Maintenant, on est quitte. Interesting time of same old bullshit that we live in. These ages never change. They evolve. Gauge of plastically marks all over the planet. Like we're proud of what we've done. It's like, yes sir, we had it. Had our fun with it. Had our role to rap and make it happen. Tu peux faire mieux que ça. Aïe! Je dois y aller. À plus. C'est qui eux? Je les ai jamais vus.
Enfin, c'est des grenades. Regarde la tête qu'ils ont. Et c'est supposé être des muscles, ça? Non. Non. C'était qui, ceux-là? C'est quoi cette tache sur ta chemise? T'as un permis pour avoir ça en public? Non. Descends de là, Kelvin. Pas maintenant. Si, maintenant, tout de suite. Mais pourquoi? Y a pas de discussion. Salut, Tommy. Bonjour, monsieur. Vous êtes sûr que Kelvin peut pas rester encore un peu? Ouais, on en reparlera une autre fois. Rentre dans la voiture. Tu comprendras jamais où est ton intérêt, hein? Merde, j'ai 18 ans maintenant. Ouais, et en tant que père, c'est ma responsabilité de t'empêcher d'enfreindre la loi. Comment ça, enfreindre la loi? T'avais vraiment besoin de venir en voiture? Je serais furieuse aussi si mon père venait me chercher dans une voiture de flic. Suzanne? Fichier. Maman, elle aurait jamais... Ne mêle pas maman à ça. Tu peux me déposer à la gare? Et ce manager là, il veut quoi en échange? Commence pas avec tes conneries, je vais faire des compétitions et des shows, c'est tout. Et alors lui aussi, non? De toute façon, j'ai fait déjà tous ces trucs. Sauf que maintenant je serai payé pour le faire. Il doit être bien content d'avoir trouvé une conne qui marche dans son baratin. Tu comprends pas que tout ce qu'il veut c'est de baiser? Ouais, c'est ça. Elle est considérée comme l'une des meilleures skateuses du pays, et je pense que c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Peu importe ce que je dis ou ce que je fais, c'est jamais bien. Et c'est toujours la même chose. Maman aurait fait ceci, maman aurait dit cela. Ça serait intéressant de savoir ce qu'elle aurait fait, c'est sûr. Mais là, tu peux pas lui demander conseil, n'est-ce pas? Tu crois que je fais ça pour être dur avec toi? Je fais ça parce que je t'aime. T'es vraiment trop con. Pourquoi tu me fous la honte tout le temps? Fais chier. Kelvin, attends! Kelvin! Apparemment, ils se sont réconciliés. Et dis-moi, ça te donne pas envie, toi? N'importe quoi. Oh, ça a l'air bien moelleux, là. Touche.
Qu'est-ce que t'en penses? Toi et moi, on pourrait peut-être... Ah, putain, Béa, même pas en rêve. M'aider. Hey, tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Je suis pas ton assistant personnel ou une connerie de ce genre. T'as besoin d'aide? J'ai besoin d'un poids plus léger. Qu'est-ce qui se passe? Si elle sait pas servir des appareils, elle a rien à faire ici. Tous ici. J'en ai rien à foutre de cette meuf ou de qui que ce soit. Chacun doit savoir se démerder tout seul. Tant que tu t'entraînes ici, tu suis mes règles, c'est clair? Personne ne me dit quoi faire. Sacré raclé, hein. Salut. Salut, Monica Scout. On vient faire un reportage concernant les activités sportives pour les jeunes. Ah oui. On y va quand tu veux. Ça tourne. À côté de moi se trouve Monsieur Monk, le gérant. Parlez-nous un peu du concept de l'endroit. Dans cet endroit, j'ai voulu me concentrer sur tous les jeunes qui n'ont pas tellement de choix dans leur vie. Ceux qui se retrouvent un peu en bas de l'échelle sociale. Fauteurs de troupes. C'est comme ça que les gens les appellent. Ah, j'y comprends rien. Ça a l'air bien. Et là, nous sommes à côté d'un jeune homme. Que pensez-vous de cet endroit? Ça va. Et vous venez souvent? Quelques fois par semaine. Il vient m'aider de temps en temps. Mais vous qui gérez cette salle au jour le jour avec tous ces jeunes, autant délinquants dans un même endroit, ça ne pose pas de problème des fois? Non. Bonjour, vous entraînez souvent? Dégage! Le dossier, donne-le-moi. Donne-le-moi, je t'ai dit, espèce de sale nabo. Merde, Kelvin! Mais c'est pas possible!
Dis-moi, t'as le dossier ? Il n'y a aucun problème. T'as absolument rien à faire ici, c'est privé. Quel genre de business ? En tout cas, rien qui te concerne. Ben moi, je pense que si. Vos papiers, s'il vous plaît. Relaxe-toi. Si tu veux, on peut en discuter. Je veux voir vos papiers maintenant. Quoi ? Tu me menaces ? On peut faire ça ici ou au poste. Ah oui ? Ton père a senti un truc. Quelque chose à propos de combats dangereux organisés entre ados. Ce sont des grosses sommes d'argent qui sont pariées pour être blanchies. Je pense que la fusillade avait quelque chose à voir avec ça. On a du matériel pour au moins 10 compétitions. T'étais obligé de tirer sur le flic ? Je vais t'expliquer quelque chose. Si t'étais un millionnaire,
Tu laisserais un voleur aller dans ton coffre-fort et prendre tout ton argent? Ou tu l'arrêterais, quoi qu'il arrive? Ben. Alors? J'arrêterai le voleur, ok. Bon. Alors on est d'accord. Pourquoi t'as l'air si sérieux? Je me suis pris la tête avec un mec au gymnase tout à l'heure. Un mec du parcours qui sait se battre? Compétent? Agressif? Je vais aller le trouver, il pourra plus jamais faire ses galipettes. Calme-toi, Tony. J'ai une meilleure idée. Je veux que tu le trouves. Mais ne le tabasse pas. Je le veux en bon état. Content que tu sois là. Et ton père alors? Comment il va? Faut que j'y aille. On se voit tout à l'heure, ok? Attraper une grand-mère ou quoi? C'est pour ça que tu danses comme un grand-père, hein, c'est ça, hein? Oh! Eh, mon pote, tu veux un petit cul bien bombé? Eh bien, va falloir que t'apprennes à danser comme Mr. Stretch! Allez, vas-y! Ok, donne l'action! Yeah, man! Viens là, viens là! Mets les bras en l'air! Fais comme moi! Hey, frérot, comment tu t'appelles? Hein, mon pote? Kelvin. Kelvin. Stretch.
On se voit plus tard. A plus. Hey, t'as pas été un super élève, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me laisses pas passer? Je voulais juste simplement parler à... Tu vas parler à personne. Malin. Tu sais quoi, tu devrais porter une grosse moustache. Comme ça, tu pourrais ressembler à ta maman. T'es vraiment une tarlouse. Les grands-mères que tu te bats comme un grand-père. C'est, mec, mais qu'est-ce que tu racontes? Je la gère la situation là. Et pourquoi ils voulaient te tabasser? Psst. Calvin? Psst. Ils sont partis. Ils viennent juste de passer. Ils sont partis par là-bas. Mais calme-toi! J'ai fini de t'aider, moi. Tiens, voilà le vieux. C'est le père de Tommy. Je crois qu'il travaille pour Skills. C'est quoi, Skills? J'en ai ras-le-bol cette soirée merdique de toute façon. Tu sais quoi, frérot? Merci de m'avoir aidé avec les hommes des cavernes. On aura l'occasion de se voir plus tard, grand-père. En tout cas, je pense que t'es prêt, hein, pour un petit cul. Bombé. Et c'est quoi ton but? Mon but, c'est de faire ce qui est important. Alors, vas-y. Vraiment y aller maintenant. Comment tu peux être assez con pour venir ici et draguer ma meuf en plus? Y avait ces mecs qui... J'en ai marre que tu penses que t'es meilleur que moi.
Je veux un autre match. T'es sûr que c'est le moment de parler de ta ça? Ta gueule. On a d'autres problèmes pour mais l'instant. Mais tu vas la fermer ta gueule, putain. Ne mêle pas de ça. Ok. J'en suis. Le grand parcours. Un aller-retour. Linda va compter. Tu vas compter ou merde? 3. Partez. Déchiré. Franck, bien joué. Dis-moi, tu te débrouilles pas mal en course et en saut. T'es pas celui qui habite avec Tommy? Je savais pas qu'il avait des amis aussi doués. Mes gars m'ont parlé de ton show. Tu connais Skills? J'aimerais bien t'avoir dans les participants. Tu pourrais être une nouvelle star. Je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fric à gagner. Je crois pas. Quoi, c'est quand? Ouais. Il faut que tu comprennes. Personne ne sait où ça se passe jusqu'à ce que ça commence. Tu sais, c'est... top secret. Mais je peux quand même te dire que... la prochaine est prévue pour dans environ 48 heures. Non, merci. Ok, mais pour le cas où tu changerais d'avis, alors tu peux parler à Tommy. C'est d'accord? Je peux revenir plus tard chercher les cartons? Oui, bien sûr, pas de problème. Mais pourquoi tu te fous à la rue? C'est dégueulasse. Monk. Ouais, c'est Calvin. On va où? Avec qui tu parles? Tu peux dormir chez toi? Tommy m'a foutu dehors. Calvin. Ok, sympa. Je peux venir avec toi? Je comprends pas, tu sors plus avec Tommy? Non, c'était pas ça. Il peut être tellement gamin parfois... et je vais pas sortir avec un gosse.
quand vont avec toi, c'est pas tellement différent. Ouais, c'est ça, marre-toi. T'es un enfant, allez, reconnais. Un enfant toi-même. Non, c'est toi. Attrape-moi si tu peux. Tu vas voir. Allez, vas-y. Mais il est passé où? Il est parti faire des radios. Jolie bague. J'ai jamais vu papa sans. En tout cas, pas depuis que maman est morte. Sympa. C'est ma sœur qui me l'a offerte. C'était gentil de sa part. Oui, elle était. Comment ça, elle était? Elle était toujours la plus sage. Alors que moi, je faisais du vélo entre les voitures, Léna, elle préférait rester à la maison. Dessiner, écrire. Plein de trucs pas méchants dans ce goût-là. Jusqu'à ce qu'elle ait son accident. Je suis désolé. Où sont les toilettes? Là-bas, sur la gauche. Ces gars qui étaient là avant. Qui, ceux qui ont volé mon dossier? Je les ai croisés hier. D'accord. Ils sont partis parler avec Franck, le père de Tommy. Il est venu me trouver après ça. Il m'a demandé si je voulais être dans une sorte de compétition qui s'appelle Skills. Mon père avait ça sur lui quand il s'est fait tirer dessus. Et Stretch m'a donné celui-là. Et celui-là, c'est celui du père de Tommy. Et tu sais ce que je crois? Je crois qu'il voulait ton dossier pour trouver de nouveaux talents pour cette compétition. Alors, si on met la main sur ces mecs, on retrouve mon dossier? La question, c'est comment on va rentrer chez Franck. Et ça, ça vous aiderait? C'est quoi? J'ai fait le ménage dans les bureaux de Franck le soir. Là-haut, c'est son bureau. Il y a une alarme, mais tu peux la désactiver avec ça. Linda, tu surveilles. Aboie comme un chien si tu vois quelqu'un arriver. Miaou. On fera avec.
part des coupes, y a rien d'intéressant ici. Allez, on doit trouver ce dossier. Tu vois quelque chose? Toujours rien. Attends. Parfait. On se casse d'ici. Oh, oh merde, saloperie! Ah, encore toi! Ok, Kelvin. Pourquoi vous étiez tous les deux? Dans les bureaux de Frank Sécurité. Laisse-la tranquille, c'était que moi. Elle était bien là avec toi. C'est un peu difficile de ne pas l'inclure dans l'enquête. C'était mon idée. Mais pourquoi t'étais là-bas? C'était pour les affaires de ton père? Et tu connais bien Kelvin, Linda? Bien. Et c'est quoi la relation entre vous deux? On couche pas ensemble, si c'est ce que vous voulez savoir. D'accord. Alors laisse-moi te poser une autre question. Eh bien, comment est-ce que vous êtes entré dans les bureaux de Frank Sécurité? J'ai la clé des bureaux. Je fais le ménage là-bas. Et c'est qui a proposé que Kelvin participe? C'est comme ça. Je ne sais pas si Kelvin est au courant non plus. Je comprends pas ce que tu veux. On pense que Robert est impliqué dans Skills. Ça fait un an qu'il travaille dessus sans aucune réponse et on commence à trouver ça bizarre. Lui, il prétend ne pas avoir identifié la tête pensante derrière tout ça. Mais nous, on le suspecte de fournir Skills avec de nouveaux combattants. À mon avis, même toi, t'es pas capable de me dire ce qu'il a fait depuis un an. Est-ce que ton père est vraiment impliqué dans cette compétition? Le père de Tommy a dit qu'il y en aurait une nouvelle dans les prochaines 48 heures.
Faut qu'on y aille. Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, je vous jure, monsieur l'agent. Ça, c'est un coup monté, hein. Vous foutez pas de moi. Oui, j'ai mal. Mon cœur, il me fait mal. Ça va? Très très malade du cœur depuis que ma chérie m'a laissé l'assistant. Elle s'est barrée avec l'assistante sociale quand j'allais le rencontrer. Elle est partie avec lui, c'est devenu son mec, son travailleur sexuel. Excuse-moi. Quoi, tu comprends pas? J'allais me marier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se réveiller? On peut pas se prononcer pour l'instant. Calvin? Est-ce que tu es au courant qu'on te cherche? Tu crois que mon père est impliqué? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Sincèrement? Non. Je pense vraiment pas. Moi non plus. Robert est un des flics les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrés. Mais avec tous les ripoux qu'il y a, faut que tu saches qu'on peut même plus faire confiance à un flic honnête. Je veux que nous prouvions son innocence. Si seulement c'était si facile. Je peux penser ce que je veux, ça n'a aucune espèce d'importance. Je suis pieds et poings liés, je peux vraiment pas faire n'importe quoi. Il n'y a que les mafieux, ceux qui vivent dans l'autre monde, avec leurs propres lois, qui peuvent régler les problèmes de ton père. Alors tu me prends avec toi ou pas? Tu sais ce qu'il te reste à faire, Calvin. Ouais, c'était pas loin. On essaie de rappeler Mank. On peut peut-être le prévenir. Ah.
Salut mec, alors il est où ton pote, hein? Je sais pas où il est. On veut tout simplement lui parler. Je vais te dérouiller. Tu veux me le dire, oui? Hein? Par ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense pas qu'on devrait y aller. Ah ouais, pourquoi? Il est un peu... bizarre. Mais c'est notre seule solution. On a nulle part ailleurs où aller. Je pense quand même pas qu'on devrait y aller. Faut lui donner une chance pour voir ce qu'il est capable de faire. Wesh, Milo, ça va? Ferme-la, tu vois pas que je mate la télé? Voilà, Milo. C'est mon frère, quoi. À moi. Désolé si je peux pas te serrer la main. Stretch, est-ce que tu peux...
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Il a atterri sur la tête. Son cou, tout simplement. Depuis, il est devenu tétraplégique. Comme ça, tu vois, d'un coup. Ah ouais? C'était un accident de voiture? Nah. Ça s'est passé dans un combat, c'était un champion de karaté. Il y a un an, on a reçu un coup de fil. Ils l'ont trouvé blessé, inconscient dans une allée paumée. Au départ, j'ai cru qu'il s'était simplement fait tabasser. Mais finalement, on a compris qu'il était dans un combat ou une compétition. Il a fait une mauvaise chute. Ils l'ont abandonné sur place. Vraiment ? T'as pas peur d'y participer ? Après ce qui est arrivé à ton frère ? Ça peut pas être pire. C'est ma porte d'entrée. Ma chance de me venger. Pour mon frère. Il faut qu'on arrête cette compétition. T'as raison, et comment on fait ça? On est avec toi. Nous aussi, on va s'inscrire. Et quand on est là-bas, on va appeler les flics. Bien. Tommy. Fais là. J'aimerais parler à ton père de cette compétition. J'ai décidé. Je vais en faire partie. Tu peux lui parler? Il veut que les meilleurs. Si seulement il me laissait faire, je les battrais un à un. Bon, bah c'est d'accord. Je le préviens côté dedans. Parfait. J'ai quelques conditions. Ah ouais? Et t'aimerais quoi exactement? J'aimerais ramener d'autres gens à la compétition. C'est d'accord. Je vais te prévenir. Tant qu'ils acceptent tous les règles du jeu. Parle-moi un peu de Skills. Ils ont plein de jeunes qui sont bons dans différentes disciplines. Le parcours, le skateboard, le BMX, le karaté, tout ce que tu veux. Et ils s'affrontent tous ensemble sur plusieurs rounds. Mais le truc le plus grave, c'est que les anneaux peuvent être pris aux autres joueurs par n'importe quel moyen. Il n'y a aucune règle. Les anneaux peuvent être récupérés par force en tabassant les autres. Pousser les uns les autres des toits des grands immeubles, tu vois. Ah ouais. C'est comme ça que t'atterris sur la tête. Toi ? Si tu veux vraiment quelque chose, tu dois être prêt à en payer le prix. Pour ton père, je le ferai. Même si c'est contre tous mes principes, tu sais. Eh bien, mon cher élève. Alors comme ça, tu veux apprendre le noble art des coups tordus, hein? Que fais-tu, sensei? C'est comme ça, mon cher élève. T'es beaucoup trop faible et lâche. Allez, vas-y, prends ça. Vas-y. Vas-y, tire. Thank you.
S'ils prennent un pistolet, toi tu prends un fusil à pompe. Ils veulent te frapper avec une planche de bois, tu les frappes avec un arbre. C'est ça mon frère. Si t'as envie de survivre dans la jungle, alors tu dois apprendre les lois de la jungle. Et la loi de la jungle, mon frère, c'est qu'il n'y a pas de loi, tu comprends? C'est œil pour œil, dent pour dent. Et c'est comme ça que ça se passe. Portable. Mais c'est quoi ce bordel là? Auschwitz 1943? S'il te demande de prendre une douche, alors barre-toi comme si c'était l'enfer. Téléphone portable. Donne-moi ton portable. Qu'est-ce qu'on fout maintenant? C'est n'importe quoi. Tu sais bien qu'on est là pour ton papa. Je vais prouver son innocence. Depuis la glorieuse époque romaine, les hommes ont pris l'habitude de lutter contre les hommes. Différentes disciplines, différents styles, différentes expressions, tous les uns contre les autres. Pour comparer leur intelligence, leur compétence et leur endurance. Et c'est avec une grande fierté que je vous présente les héritiers de ces anciens héros.
Et c'est avec une grande joie que je vous présente Skills. Putain, c'est un truc de malade. On s'attendrait presque à ce que Russell Crowe débarque. Merde, y a pas de réseau. J'ai pas de réseau non plus. Quand vous entendrez le signal, enlevez vos bandeaux et que la compétition commence. Au signal, la deuxième partie commence.
Quand vous entendrez le signal, la troisième partie commence. Je peux encore laisser tomber. Non. Je veux continuer la compète. C'est une erreur. Tu vas pas y arriver. Papa, j'ai 18 ans maintenant. Désolé. Désolé mon pote. Désolé. Je peux pas laisser tomber mon père. Il a pris tous tes anneaux. J'ai compris ce que c'est que la règle ici. C'est qu'il n'y a aucune règle. Arrête tes conneries. Si seulement on pouvait avoir la preuve. La preuve que c'est Franck le boss. Il faut qu'on récupère nos portables. Si on veut avoir un dossier solide. Il nous faut des preuves concrètes. Et qu'est-ce que tu penses si jamais je vais là-haut et je chope ce bâtard là qui sourit et je le balance par-dessus le toit? C'est assez concret pour toi? On va l'avoir. Il est impliqué dans la fusillade de papa. Il l'a piégé. Est-ce qu'on va l'attraper? Dès que le combat sera fini, il va se barrer. Tu sais, au pire des cas, tu peux...
peux toujours monter le choper là-haut. Y a pas de problème. Ça prendra pas plus de 5 secondes pour aller là-haut de toute façon. Sinon, on a qu'à le faire ensemble. Allez, ok. Le grand moment est arrivé. Quand vous entendrez le signal, que la finale commence. Il est aussi nul que son frère. Mais qu'est-ce que t'as dit, bâtard ? J'ai dit que t'étais un pauvre naze, comme ton frère. Ton frère était un gros nul. Va te faire foutre ! Maintenant, je vais t'écraser comme t'as écrasé mon frère. Ah ouais, avec ton armée de nuls. Allez, viens. J'en ai d'autres pour toi. Thank you.
Approche-toi, bordel de merde! C'était toi, bâtard! De quoi tu parles, putain? T'as tiré sur mon père et maintenant il est à l'hôpital! Mon putain de frère aussi, grâce à toi, enfoiré! Il est paralysé à vie, merde, enfoiré! Comment est-ce que tu oses accuser un homme d'affaires? Casse-toi! Je m'en vais! Tu vas aller nulle part, putain! Crève, bâtard! Non! Ça va, frérot. Information advancing, paranoia got my brain scrambling. I feel fear in abundance, I can't see clear. Fuck my thoughts, make no sense, I'm lost. Landing in a hot zone, got no barriers and walls for defenses. I'm vanishing, game over, this is doomsday. I'm stripped down, naked in hell, trembling, tumbling down a jagged edge canyon. Abyss is bottomless, I can't see the end. Need a drink and a friend. I'm sinking up to my ears, up to my ears, up to my ears. Repetitive thinking, I could be a train wreck without blinking. And as I sit at the brink of extinction, I wish I could link the connections. Grasp conceptions, the wild self-deception seems to rule all of my decisions. I played my games outside painted lanes and caused a lot of pain. Hey, I'm falling down in sin. Keep on running. It all blew up. Became much more than I can take. I'm breaking. I can't win. My demons, I can't outrun them. Pray for me. Short circuit. The wiring's all wrong. I can't figure out how to work it. Stabbed in the back by bad reasoning. Can't fake a smile turned to a nasty grin. I know hell, it's a head full of chaos and structureless terror. Player, bad vibes, wanna grab razor blades and knives and slip my arms wide open just to feel alive. God forsaken, broken down into fragments of self in the corner, just shaking, soul aching, begging for change, showing the scenes of the mistakes made. Thinking it's strange, it's taking the wisdom so long to appear through all the pain. I pray forgiveness, lay the first stone for the road to exit the insane. I played my games outside painted lanes and caused a lot of pain. Hey, I'm falling down in sin. Can't keep on running. It all blew up, became much more than I can take. I'm breaking, I can't win. My demons, I can't outrun them. Pray for me.